peut rajouter des cas destinés. Et là, nous avons des statuts nationaux du gouvernement local. À cela s'ajoute le décret 2021-623 du 17 mai 2021, organisant le ministère des Mines et de la Géologie pour renforcer la coordination institutionnelle avec les nouvelles directions créées. La direction des mines, des carrières, exploitation minière et réglementation. Et nous facilitons de l'approche avec à la tête de toutes ces directions une directive générale, très comparable à Mme Carlos. Cette réforme a permis d'obtenir une gestion intégrée des titres miniers pour une meilleure valorisation des retombées économiques et un suivi de la gestion des titres. Nous avons également suivi de très près les mesures que vous avez prises concernant la déclaration des bénéficiaires effectifs des sociétés minières à travers la circulaire de juin 2021. Et je crois que c'est une mesure très importante pour éviter notre pays l'évasion fiscale. Tout ceci pour dire que vous avez été diligent et rigoureux dans la gouvernance de ce secteur. Monsieur le ministre, je voudrais plaider également pour que la SOMICEP soit renforcée et dotée davantage de moyens. Je crois qu'aujourd'hui, à l'instar du Bénin, il faut penser à la gestion nationale de nos ressources. On passe à l'étape où les permis, comme au Bénin, doivent être délivrés aux nationaux pour permettre une meilleure gestion nationale de nos ressources. Je me félicite également de la mise en œuvre du Service national de géologie. Et l'Assemblée vient de recevoir la loi d'orientation relative au secteur parapublic. Ça, c'est ce que vous attendez pour pouvoir mettre cela en œuvre. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, voilà ces quelques mots que je voulais échanger avec vous. Je vous encourage. Et le secteur, je pense qu'avec votre posture, vous êtes un homme d'État, vous êtes un intellectuel, vous êtes un travailleur, vous êtes un homme prêt. Et je parle sous le contrôle de M. Papa, avec qui vous avez démarré au ministère des Finances en 1992. Donc, tout le monde connaît votre rigueur et vous appréciez positivement. Pour ma part, je le dis et je le répète, tout le monde sait ce qu'il nous dit. Je ne vais pas en parler plus longtemps, je vais simplement dire ce que Montaigne avait dit à son ami Laboué sur l'amitié. L'amitié de quoi je parle, les deux âmes se mêlent et se confondent, demeure si universelle qu'on ne sait reconnaître la beauté qui les a joints. Et si l'on me pressait de dire pourquoi vous l'aimez, je sens que je ne peux répondre que parce que c'était lui, que parce que c'était moi. En vous, il y a moi, en vous, il y a à moi, il y a vous. Vous êtes un frère, vous êtes un homme, vous êtes tout pour moi. En un et en mille mots, merci Monsieur le Ministre, bon courage, et je salue tous vos collaborateurs et vos encourage. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne la parole à...